Les opérations de nettoyage des côtes du sud-est et les îles des alentours après l'échouement du MV Wakashio ont pris fin en début de semaine. Japan P&I, l'assureur des propriétaires du MV Wakashio, a tenu à faire le bilan de ces 5 mois d'opérations entreprises par les compagnies Polyeco et le Floc des pollutions. Occasion de constater de visu les régions qui ont été les plus affectées, l'île aux Aigrettes, Pointe-Jérôme, Rivière des Créoles et Bois des Amourettes. We cleaned approximately 21 kilometers of shoreline, starting from Blue Bay and ending that point Brocus, Rivière de Creole. We also cleaned the islets of Moussoirus, Ilo Zegret, Ilo Fouquet, and we had the protection of the lagoon area as well. So it's a challenging environment. You know, we have high and low tides. We also had, you know, very delicate ecosystems like the mangroves. But you know, using our techniques the correct way, we were able to clean the whole shoreline and apply the necessary techniques to each site. If we're going to go to the sites we visited today, so for Ilo Zegret, it's an island that has a perimeter of around 1,800 meters. At first, we did cleaning with sorbent materials, went around the whole island and cleaned it. Then we introduced flashing. This is high volume, low pressure flashing in order to remove the oil that was trapped inside the holes and was buried under the sediment. And as the last part, where we had the vertical holes that we saw today, we used some high pressure washing. Very specific, very delicate, only in the side of the hole in order to remove the last traces of oil. So the work started on 23rd of August and finished 31st of December. The original planned endpoint was 21st of January. So we finished 1 month earlier. Now we made our best in order to give the land back to the Mauritian people as fast as possible. We were very lucky to have the owner of Wakashio and the JPI on our side supporting us from minute one in order to be able to deliver at the highest international standards in time. Peut-être qu'il y avait différentes caractéristiques, par exemple Rivière des Créoles, ça a été les mangroves. Beaucoup de mangroves, donc beaucoup de difficultés d'accès, de personnel pour aller justement dans ces mangroves-là, pour éviter de faire encore plus de dommages aux mangroves que lui l'avait fait par elle-même. Une autre problématique à enjoncher, où là c'était un terrain très plat, donc très vaseux, difficile aussi d'accès, après le long des routes, pour garantir quand même la sécurité de tout notre personnel. Donc différents types, mais oui, principalement Rivière des Créoles, enjonché, Vieux Grand Port, les Public Beach et Bois des Amourettes. C'est complété au niveau des écoles. Tout a été terminé, toutes les opérations sont terminées depuis le 9 janvier. À peu près 200 à 250 personnes qui ont travaillé avec nous donc pendant ces 5 mois et demi. Donc on les a recrutés via une société locale. Et donc il a fallu un petit temps de formation. Et c'est vrai qu'au bout de 5 mois, on a vu déjà nous aussi l'évolution de ces personnes qui ont fait un travail extrêmement formidable, surtout dans des conditions pas faciles. Le soleil, avec tous les équipements de protection, dans des accès quelquefois difficiles, le temps aussi quelquefois qui n'était pas facile. Et on les remercie vraiment beaucoup parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible de faire ce travail-là. Oui.